Alors, les Prairies, c'est un quartier qui est à deux pas du centre-ville de Rennes. On est à peu près à 5-10 minutes de la place Sainte-Anne. Donc, on est vraiment dans le centre-centre. Et c'est un lieu qui est assez rare et assez génial parce que il y a des endroits de friche. C'est un lieu, on n'a pas du tout l'impression d'être dans le centre-ville. Et l'explication un peu de cette situation, c'est que c'est une zone inondable et donc il n'y a pas eu de planification de l'architecture et de l'urbanisation sur ce lieu-là. On a eu assez peu. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits qui sont restés des zones de friche. Voilà, c'est un lieu où, par cette histoire-là, il y a eu des appropriations par des habitants, des appropriations de plus ou moins longue durée. Et donc, on a eu à la fois des habitants qui, dans les années 30, même dans l'après-guerre, ont construit leur propre maison sur leur cabane de jardin, ce qui était à l'époque leur cabane de jardin, parce qu'il fallait bien se loger, il y avait une urgence de logement. Moi, j'y étais passant, j'y ai passé du temps, j'y ai dormi, j'y ai mangé, j'y ai vécu. Après, peut-être pas pendant 6 ans d'affilée, mais j'y ai passé quand même pas mal de temps. Et je crois que le propos en tout cas, ce que j'ai envie de raconter par rapport à ce lieu-là, c'est que c'est un lieu où il n'y a pas forcément Il n'y a pas à avoir peur, en fait, pour moi, les initiatives qui ont lieu là, dans le quartier, elles sont assez, assez fortes et belles, et c'est plutôt des choses que j'aurais envie, moi, de raconter, de porter aussi pour une ville en général, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est des lieux à préserver dans la ville. Et c'est peut-être là-dessus que j'ai une forme d'inquiétude, parce que j'ai l'impression que la ville se vide de plus en plus de certaines populations, et des plus précaires notamment. Donc moi, je les ai vus partir, et je pense que là, il y a de vrais enjeux pour la ville de Rennes à conserver cette mixité, en fait, dans le futur parc, puisque maintenant le parc est en train de se construire. Moi, c'est des choses que j'ai envie de raconter et que j'ai envie de défendre aussi. Des lieux non marchands où on peut fermer les yeux, se reposer pour quelques heures, une nuit ou deux. Enfin, voilà. Est-ce qu'il existe des bivouacs, des lieux de bivouac et des cabanes ou des refuges en ville? Quelle population on a envie d'avoir en ville? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont à la rue? Est-ce qu'on les met dehors ou est-ce qu'on les parque un peu, est-ce qu'on les cache, ou est-ce qu'on accepte aussi qu'à un moment on puisse vivre ensemble? L'absence d'urbanisation planifiée, c'est peut-être ce qui a amené à un moment les habitants qui avaient été eux-mêmes architectes du lieu à prendre en charge la documentation du lieu, là où généralement c'est les architectes qui s'en chargent.
De la même façon que les images, elles existaient, et elles existent d'ailleurs toujours dans un tiroir ou dans un album, je trouvais intéressant qu'à un moment, ce fond-là, plutôt que d'être conservé aux archives ou chez moi, qu'il puisse être aussi pris en charge par une association d'habitants, et que un chercheur, par exemple, qui cherche des documents sur les prairies Saint-Martin, aux archives, tombe sur une notice qui donne des conditions d'accès aux documents conservés par une association d'habitants. Ça, ce serait dans l'idéal. C'est un peu peut-être compliqué à mettre en place, mais je trouve que ce serait un beau retour, et qu'en fait, pour avoir accès à ces images, il faille prendre rendez-vous avec quelqu'un et aller boire le café chez lui. Et peut-être ça débouche sur des histoires, des échanges, comme ça a pu déboucher sur des histoires et des échanges quand je me suis promené aux prairies.